Lecture du premier livre des Rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David, son père, et sa royauté fut solidement établie. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de notre Père Israël, depuis les siècles et pour les siècles. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, victoire, majesté, tout dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est toi le maître de tout. À toi, Seigneur, le règne, la primauté sur l'univers. La richesse et la gloire viennent de ta face. Seigneur, c'est toi le maître de tout. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance, tout par ta main grandit et s'affermit. Seigneur, c'est toi le maître de tout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez les sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage.
Telles sont, mes frères et sœurs, les consignes que notre Seigneur Jésus-Christ donne à ses apôtres au moment où il les envoie en mission. Vous ne devez pas mettre votre foi en des choses matérielles, vaines réalités, utiles mais non essentielles. Vous devez mettre votre foi en Dieu seul. Alors, allez sans rien, mais allez avec tout, car Dieu vous accompagne. Ce sont les mêmes conseils que le roi David donnera comme testament à son fils Salomon au moment de mourir. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite, « Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » C'est dire, mes frères et sœurs, que ce qui garde sur le trône, ce ne sont pas les belles stratégies politiques, les organisations sociales, les promesses électorales. Ce qui garde sur le trône de la royauté, c'est l'obéissance aux commandements du Seigneur qui sont en fait la parfaite preuve de l'amour et de la foi que nous pouvons avoir en lui. Dans l'Évangile, Jésus veut que les apôtres aillent sans rien, pas parce qu'il veut corser leur mission inutilement, mais plutôt parce qu'il veut sortir ses disciples d'une conception matérielle de l'envoi en mission dont ils sont bénéficiaires. C'est un envoi en mission divin, dont toutes les grâces sont divines. Et justement, on le verra au retour de leur mission. Les apôtres, les disciples, constatent le grand succès que cela aura été. Et ce succès se sera fait sans argent, sans nourriture, sans matériel, rien que par la foi en Dieu proclamée par leur voix. Leur succès n'est pas dû à quelques artifices humains, mais à la seule grâce de Dieu qui les conduira partout où ils iront s'ils l'acceptent librement. C'est l'enseignement qui nous est donné aujourd'hui, mes frères et sœurs. Même si nous avons des œuvres, même si nous avons un pouvoir, même si nous avons quelque talent que ce soit, nous devons faire plus confiance en Dieu que dans ses œuvres, dans ses pouvoirs et dans ses talents. Parce que ayant les talents, sans Dieu, nous n'avons rien. Mais ayant Dieu, sans aucun talent, nous avons tout. Que le Seigneur l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen.